coucou, me revoilà pour une nouvelle vidéo qui est un haul action cette fois-ci. Et oui, aujourd'hui, ben, on est mercredi, non, on est jeudi 22 octobre. J'ai fait mon petit tour à action, comme vous savez, j'y vais au moins une fois par semaine. Et aujourd'hui, ben, j'ai pris beaucoup de choses que j'avais besoin et que je prends. C'est un peu mes indispensables de action et que je prends quasiment que là maintenant. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et j'ai trouvé aussi quelques petites nouveautés. Et oui, oui, oui. Donc je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Je remercie tous mes abonnés qui me suivent depuis un petit moment. Et merci pour vos commentaires qui sont bienveillants. Vous êtes adorables. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous du sud pour ceux du nord. Et plein de gros bisous du sud du ouest pour ceux qui sont du sud-est. Et plein de gros bisous pour tout le monde, parce que oui, j'ai vu qu'il y a des Belges, la Belgique qui commence à me suivre, il y a quelques petits pays qui me suivent aussi, d'autres pays, donc je vous souhaite la bienvenue à tous et je suis très contente que vous êtes abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie, énormément, vous pouvez pas savoir le bien que ça me fait, c'est très touchant. Voilà, on va commencer tout de suite ma petite, mon haul action. Donc Halloween arrive, n'est-ce pas? Donc il faut avoir le stock de bonbons et je crois que c'était en promo cette semaine. Je suis tombée sur ce gros paquet de Mahomam, un big sélection. Donc c'est un mélange de Mahomam, donc c'est pas mal. Il y en a 550 grammes à l'intérieur. Voilà pour ceci. Ensuite, alors ça, c'est moi, c'est mon indispensable de action. Maintenant, je ne prends que ce rouleau de papier essuie-tout, parce que dedans, il est très épais. Il est gros, en fait. Avec un rouleau comme ça, moi, j'en fais longtemps. Donc, du coup, je ne prends que là, parce que niveau prix, il est pas cher, donc il est très, très bien. Donc, je suis très fan de ce rouleau d'essuie-tout. Comme dans mes habitudes, ça, je prends toujours ça chez Action. C'est mes petites lingettes, vous savez, deux en un, qui enlèvent les taches des 30 degrés et ravivent les blancs. Donc, il y en a 5, combien il y en a à l'intérieur? Il y a 5 sachets, c'est des sachets. Il y en a 5 sachets à l'intérieur. Voilà. Alors, oui, j'ai pris ça. Ah oui, j'ai pris ça. Pourquoi? Alors, j'ai pris ça parce que, bon, d'habitude, j'achète des savons avec des pousses-pousses directement. Et cette fois-ci, cette semaine, je suis passée à Lidl et j'ai pris, vous savez, l'éco-recharge de savon pour les mains à la noix de coco, et qui était très intéressant au niveau prix et quantité. Donc après, je ne sais pas, c'est la première fois que je le prends, s'il est bien ou pas, mais du coup, il me faut un pousse-pousse. Voilà, et je n'en avais pas. Après, c'est vrai que j'aurais pu garder un pousse-pousse, le nettoyer d'un ancien savon. Je n'ai pas pensé sur le coup. Mais bon, voilà, j'ai pris ça. À l'intérieur, on peut en mettre, je ne sais pas. Il est en inox. Et moi, c'est ce qui m'a plu pour la cuisine. C'est ce que je trouvais aller le mieux pour la cuisine. En bas, ça, c'est pareil. Hein, c'est mes indispensables de action. Hein, mes sacs poubelles, je ne prends plus que cela. Et déjà, moi, la contenance 30 litres convient très bien pour ma poubelle. Et de plus, ils sont hyper résistants. Moi, j'ai jamais eu de problème avec cela. Et accessoirement, ils sentent un peu la lavande. Donc, pour le prix, il y en a 15 à l'intérieur. Donc, moi, ils me conviennent super bien. Je les adore. Je suis tombée sur ces petits gâteaux que j'ai jamais vus jusqu'à maintenant. Je pense que c'est une nouveauté au niveau des gâteaux. C'est des cupcakes. Et à l'intérieur, d'après ce que montre la photo, il y a l'air d'avoir un cœur coulant au chocolat. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, il y en a à l'intérieur. Combien il y en a à l'intérieur? Je ne sais pas. Il y a 5 sachets. On va les ouvrir pour voir ce que ça donne. Ah oui, d'accord. Ah, ils sont quand même assez gros, vous voyez. Il y a 5 sachets comme ça à l'intérieur. Il y a 5 sachets à l'intérieur. Voilà. On les goûtera. On vous dira ce qu'on en pense dans mes produits terminés. D'ailleurs, bientôt, il ne devrait pas tarder une vidéo de produits terminés. Voilà pour ceci. Alors ça, c'est pareil. C'est un indispensable
de chez Action. Alors là, cette fois-ci, j'ai pris Domestop. Autrement, je prends les brefs bien souvent. Donc, j'ai voulu tenter celles-là. Je ne les ai jamais pris. Donc, pour changer un petit peu, donc, il y en a deux à l'intérieur. Voilà. Odeur océan. Après, hein, on verra ce que ça donne. Wally Walou, ça c'est pareil, c'est un indispensable. Ça c'est un de mes indispensables. Maintenant, je prends depuis plusieurs mois, voire peut-être même plus d'un an, je prends que ce liquide vaisselle. Pour le prix, il est très bien. Il y a 500 ml à l'intérieur. Moi, il me convient très bien. Il est à l'orange et au jasmin. Moi, j'adore l'odeur de l'orange. Donc, il mousse assez bien. Enfin, bon, c'est vrai qu'après, j'ai un lave-vaisselle. C'est pas là, non plus la vaisselle que je fais à la main. Je fais à la main ce qui passe pas au lave-vaisselle, et puis c'est tout quoi. Donc pour moi, ça me va. Voilà pour ceci. Ensuite, bah, j'ai pris ceci pour nettoyer ma machine à laver de temps en temps, lui faire un petit nettoyage en profondeur une fois par mois, ne lui fait pas de mal. Donc il y a deux petites fioles à l'intérieur, 250 ml. Ça c'est pareil, je le prends que là. Et pour moi, ça fait le job. Voilà, et j'ai pris la même chose pour le lave-vaisselle. Voilà, je l'ai pris un autre pour le lave-vaisselle parce que j'en ai plus pour le lave-vaisselle. Donc, j'ai fait le dernier il n'y a pas longtemps. Voilà, et pareil, hein, il y en a 250 ml à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, alors j'ai pris. Alors ça, j'en ai pris deux fois, je crois. Oui, j'ai pris deux fois. Alors ça, je pense que c'est une nouveauté. Je ne les ai jamais vues auparavant. C'est des pennes à la carbonara, Tasti Pasta. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Elles sont prêtes en 2 minutes. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Presser le sachet. Alors, presser le sachet. Pardon. Presser le sachet. Ensuite, découper le haut du sachet sur environ 2 cm. Et ensuite, ils nous disent. Placez le sachet debout dans le micro-ondes et chauffez à 750 watts pendant 2 minutes. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Servir chaud. Retirez le sachet du micro-ondes et servir chaud. Donc voilà. Donc il y en a 250 grammes à l'intérieur. J'en ai pris deux comme ça à la carbonara. Crème sauce et bacon, donc c'est la carbonara. Après, ah oui, il y a du riz aussi comme ça. Voilà. 250 grammes, pareil. Pour moi, ça, c'est des nouveautés parce que je ne les ai jamais vues. Et il me semble que j'en ai pris à la bolognaise. Ouais. Et il y a des spaghettis à la bolognaise. Voilà. Et là, j'en ai pris un paquet de chaque. Donc, ouais. Donc, j'ai dit ça. Quand je me retrouve toute que moi et les garçons à manger, des fois, c'est rapide. Les garçons sont contents. C'est pas mal. Donc, ouais, j'ai pris ça. Et pour moi, c'est des nouveautés. Dites-moi en commentaire si vous les avez déjà vues dans vos actions. Donc, voilà pour ceci. Ensuite, alors ça, par contre, c'est pas des nouveautés. Je me suis enfin décidée à goûter ces pâtes chinoises. Ça fait un petit moment que je les vois tourner. Donc, moi, j'ai trouvé la violette et la rose. Mais je crois qu'il y a deux autres modèles. Je ne suis pas sûre. Donc voilà, ça, je les vois tourner et bon, j'ai dit tiens, pour des repas rapides le midi, ça peut être sympathique. Donc du coup, j'en ai pris, ben, j'ai pris les boîtes qu'il y avait, donc, enfin qu'il y avait, non, il y avait beaucoup en violet, je crois. Enfin bon, bref. Il restait que ces deux couleurs-là, de toute façon, dans mon action. Donc j'ai opté pour ces deux-là. Et donc à l'intérieur, il y en a 250 grammes à l'intérieur et apparemment c'est prêt en 2 minutes au micro-ondes. Voilà, pour ceci. Donc celui-ci, il est en chicken. Et l'autre aussi. Pas de thaï et l'autre satay. Oh bon. J'ai repris des petits gels hydroalcooliques pour mes petits garçons. Un petit tigrou. Voilà. Et un petit toutou. Donc voilà, moi je les aime bien, ces petits trucs. On peut les accrocher au cartable. On peut. Voilà, elles sont sympathiques. J'en avais déjà pris un petit moment et c'est pas mal. Et, ah oui, normalement, il y a des odeurs. Ah, celui-ci, il sent black raspberry, celui-ci. Voilà, ça me tient. Moi, j'aime bien les odeurs qu'ils ont. Ça sent pas voilà, le truc. Ah, ça sent bon. On sent quand même l'alcool derrière, mais il y a une petite odeur parfumée qui est sympathique. Et le bleu, il est au aqua.
à Aquabreeze. Voilà. Wally Walou pour ceci. La dernière fois, je ne les ai pas trouvés. Donc cette fois-ci, j'en ai vu, j'en ai repris. Ils sont très très bons, vous le savez. Chocolat blanc et raspberry cheesecake. Et il y en a 150 grammes à l'intérieur. Ils sont très bons, je vous les conseille. Bon, comme d'habitude, j'ai repris mes petits paquets bretzel fourrés à la cacahuète. Donc moi, nous on aime ça, il y en a 150 grammes à l'intérieur. Ceci, ça c'est pareil, on les aime beaucoup. C'est des cacahuètes avec des raisins et des amandes, je crois. Je sais plus trop. C'est un mélange. Donc, ça c'est pareil, c'est très très bon. 200 grammes à l'intérieur. J'ai repris celle-là. Faute de retrouver celui aux amandes, au chocolat noir, aux amandes pointe de sel. Donc, j'ai pris le chocolat, chocolat noir, noix de coco. Ah non, il n'y a pas que le chocolat noir là. C'est un mélange de cacahuètes, chocolat et sel de mer. Mais il y a du chocolat noir, du chocolat blanc et du chocolat au lait. Donc, cacahuète et sel de mer. Et là, c'est que chocolat au lait, cacahuète et caramel salé. Voilà. Là, il y en a 150 grammes à l'intérieur. Pour ceci, je me suis repris des petits toasts à l'ail. On les aime beaucoup, ces petits pains parfumés à l'ail. Enfin, une espèce de persillade. Ils sont très sympas. Il y en a 150 grammes à l'intérieur. Et encore au niveau de la nourriture, j'ai pris ces petits mini marshmallows qui peuvent être très sympas pour les garnitures de glace, pour mettre sur des gâteaux ou pour mettre sur le chocolat chaud, pourquoi pas. Donc, il y en a 100 grammes à l'intérieur. Il me semble qu'ils étaient en promotion cette semaine. Par contre, ça, c'est une nouveauté. Je ne les ai jamais vus dans mon action jusqu'à aujourd'hui. Et encore, sur YouTube, je ne l'ai pas vu circuler. Donc, pour moi, c'est une nouveauté. Il y en a 10 à l'intérieur parce que je m'apprêtais à prendre des cotons. Des cotons. Voilà. Et en fait, juste à côté, je suis tombée sur ça. Et c'est des petits cotons à démaquiller. Il y en a 10 à l'intérieur. Wally Walou. Alors, est-ce qu'il y a le français? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, c'est des disques démaquillants. S'utilisent pour éliminer le maquillage. Utilisés avec de l'eau ou un démaquillant. Lavés avant la première utilisation. Les disques sont super doux et réutilisables. Lavables à la machine. Lavés sans adoucissant dans le filet de lavage. Ah, mais en plus, c'est le filet de lavage. Donc, ça, c'est top. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Ce que ça donne. J'en ai pris deux parce que j'ai dit peut-être que ma fille voudrait éventuellement essayer. Et si elle ne veut pas essayer, ben, je me les garderai. Wally Walou. Donc, je vais ouvrir pour voir ce que ça donne. Ah oui, il y a un petit truc. Voilà, donc, le petit filet. Alors, ça, c'est le filet de lavage, d'après ce que je comprends. Et ils sont comme ça. Oh, ouais, ils sont doux. Regardez. Voilà, et il y en a 10 à l'intérieur. Donc, voilà, moi, ça fait un petit moment que je me tâtais justement... en acheter, parce que bon, il y en a beaucoup qui en font et qui les vendent. Ah ouais, d'accord, celui-là, il a un défaut. À moins qu'ils sont tous comme ça. Ah, bon, moi, je suis tombée sur un qui avait un défaut. Vous voyez, il est ouvert, là. Il est ouvert. Bon, juste un point, c'est pas non plus la cata. Non, c'est un défaut. Il y a un défaut de fabrication. Bon, parce que là, ils n'étaient pas ouverts. Donc voilà, il y en a 10 à l'intérieur avec le filet de lavage. Vous mettez dans le lavage, dans la machine, là-dedans. C'est impeccable. Donc, ils sont doux. Moi qui voulais en acheter en plus, mais c'est... Voilà, je trouvais que pour le prix, honnêtement, c'était bête de s'en priver. Donc, j'en ai pris deux. Voilà, pour ceci, du coup, pour que ma fille... Parce que moi, j'ai comme... J'ai les assiettes. Ça, c'est là, vous savez, la petite lingette... avant elle existait en rose, hein, donc j'en ai deux ou trois en rose moi, et bon j'en ai pris une parce que comme ça pour voir si ma fille éventuellement ça lui dirait de se lancer là-dedans. Donc s'utilise pour éliminer le maquillage, utilise avec de l'eau ou un démaquillant, voir si ça la tenterait.
ou pas. Donc voilà, oh, bah, autrement, au pire, c'est pas perdu, je la récupérerai parce que moi j'en ai trois roses, mais elles commencent à être un peu malades. Mais en fait, ça tient bien quand même. Bon, ils disent pas d'adoucissant, moi je mets tout, et ça, j'ai jamais eu de problème avec. Elle est toujours restée douce, elle n'est pas devenue rêche, mais bon, bref. Donc voilà, voilou, sur ces faux ongles. Voilà, mais pour moi, il me semble que ces motifs-là, c'est des nouveautés. Il me semble qu'avant, ils y étaient pas, c'est là. Ou alors, bon, je ne suis jamais tombée dessus. Et il y avait celui-ci aussi. Et il y en avait un autre aussi qui était bien sympa, pareil, dans le rose et jaune, mais pas un dégradé différent. Mais mes préférés sont portés sur ces deux-là. Voilà, bon, ça, c'est pas pour moi. Ma fille, elle aime bien mettre. Moi, je ne suis pas fan de ça. Moi, je suis très vernis à ongles. Donc, vous voyez, moi, celui-là, je l'ai fait depuis il y a un peu plus d'une semaine avec un vernis à ongles que j'avais pris à Noz. Et ça fait plus d'une semaine et ça, très bien. Et ça tient très, très bien. Après, ça dépend. C'est vrai qu'il y a des vernis à ongles qui tiennent pas super bien, qu'au bout d'une semaine, il faut les refaire. Mais là, honnêtement, là, doit faire une semaine que je les ai faits et ils n'ont pas bougé, quoi. Donc, wali-walou. Donc, ça, c'est pour ma fille. Voilà. Ensuite, pour mes garçons, je leur ai pris ceci. Non pas qu'ils n'ont pas de brosse à dents, mais moi, mes garçons, le brossage des dents, c'est une galère infâme. Donc, je leur ai pris ces brosses à dents parce qu'en fait, elles clignotent le temps qu'ils se brossent les dents. C'est très gadget, je suis d'accord avec vous. Mais je me disais qu'éventuellement, si ça permettait à ce qu'ils se nettoient les dents correctement, l'idée n'est pas mauvaise. N'est pas mauvaise. Donc le problème, ce qui est dommage, c'est qu'elles sont vendues avec le gobelet. Quand on l'a une fois, le gobelet, c'est dommage de devoir le racheter. Parce qu'à l'unité, elles y sont pas. Comme ça, en clignotant. C'est ce qui est dommage. Mais bon, tant pis, voilà. Je leur ai pris ça en espérant qu'au niveau du brossage des dents, ça s'améliore. Voilà. J'ai pris Cookie Monster et Elmo. Alors ça, c'est un dessin animé, il paraît, mais moi, je ne le connais pas. Donc voilà. Pour ceci, mon petit garçon Roméo avait besoin de chaussettes. Et les chaussettes à action, vous savez, c'est pareil. Que ce soit pour moi, que ce soit pour mon homme, que ce soit pour les enfants ou ma fille, je ne prends les chaussettes que là-bas. Donc, je suis tombée sur des Spider-Man. Voilà. En 31-34, il y en a deux à l'intérieur. Donc, il y en a une avec le logo Spider-Man et une autre avec, voilà, de Monsieur Spider-Man. Et j'ai pris une autre paire comme ceci, grise, avec, et là c'est des émojis. Voilà, avec l'émoji en gris et en noir, comme ceci. Voilà, game over. Donc voilà, il va avoir 8 ans, donc voilà, pour ceci, mon petit garçon, avant que je parte, il me dit, Maman, je n'ai plus de feuilles pour dessiner. Donc je lui ai repris son petit book. Voilà, pour dessiner. Donc, Alan aime beaucoup dessiner. Donc, avant, il me prenait tout le temps les feuilles de l'imprimante. Donc, ça, c'est très, très bien. Pour le prix, franchement, c'est impeccable. En plus, elles sont attachées. Il les détache. Il fait ce qu'il veut avec. Voilà. Et ensuite. Ah oui! Niveau papeterie, je suis tombée. Il y avait c'était en promo. Il y avait en promotion les agendas pour 2021. Donc celui-ci, c'est une nouveauté, je ne l'ai jamais vu auparavant. J'ai été tentée de le prendre. C'est pas par les pages à l'intérieur, enfin, parce que bon, en fait, je vais vous montrer. Le souci, c'est que voilà, c'est pas une case entière pour le jour, mais bon, moi, pour les rendez-vous que j'ai, je pense que ça peut faire l'affaire. Moi, l'année dernière, j'avais pris le plus grand fleuri. D'ailleurs, il y a encore. Rose en spirale qui était très bien, et le lundi il y avait toute une case comme ça, et c'est vrai que comme ça c'était pas mal, mais comme je l'avais pris l'année dernière et que les autres motifs m'intéressaient pas plus que ça, et que celui-ci je ne l'ai jamais vu et que c'est une nouveauté, j'ai été tentée par celui-ci. Après, moi je suis pas une professionnelle, donc j'ai pas, voilà. Donc il se présente comme ceci, voilà. Je l'ai trouvé très joli. Très, très joli. Donc regardez, donc là c'est janvier, voilà. Vous pouvez écrire des petites choses. Donc là, en fait, voilà, vous avez tous les mois qui sont répertoriés comme ceci. Donc je trouvais ça très, très sympa. Février, c'est comme ceci. Mars,
c'est comme ceci. Enfin, voilà, moi je l'ai trouvé très très sympa. Et puis voilà, là, après c'est basique au niveau des jours, c'est comme ça. La page n'est pas entière. Mais bon, je me dis que pour moi, ça ira bien. Avril, il se présente comme ça. Et il existait en deux couleurs, en rose fuchsia et en espèce de bleu canard. Voilà. Donc, bon, j'ai opté pour celui-ci. Il était en promo. C'est mon petit craquage du jour. Bon, après, 2021, on va y être vite et j'aurai mon agenda. Voilà. J'ai pris du coloriage parce que c'est les vacances. Hein, donc, il faut occuper les enfants, n'est-ce pas? Donc, pour Alan, ben, je lui ai pris ça. Du coloriage Mickey. Alors, c'est du coloriage magique. Donc, ça se présente comme ça. Et apparemment, il colorie et le dessin apparaît. Donc, pour le prix, j'ai dit, c'est sympa. Ça va l'occuper 2 minutes. Il sera content. Alan, il aime bien dessiner. Donc, autant en profiter. Et ça l'occupe 2 minutes. Et pour Roméo, qui, lui, faut qu'il s'améliore sur la lecture. Je suis tombée sur des très, très beaux livres. Alors, d'ailleurs, il venait certainement de les mettre parce que le rayon était plein. Et il y avait tous les titres qu'il propose. Donc, je suis tombée sur L'île au trésor. Voilà. Voilà. Et puis, vraiment, action pour les livres. Ils sont pas chers et ils sont très, très beaux. Donc, ça, c'est L'île au trésor. Vous voyez. Donc, je vais vous montrer un peu les images. Enfin, voilà, c'est de très, très belles images. Enfin, ils sont très colorés. Moi, je les aime beaucoup, leurs livres. Et voilà. Donc, j'ai pris le L'île au trésor. Et je lui ai pris les aventures de Tom Sawyer parce que ben, Roméo, il regarde un dessin animé Tom Sawyer. Donc, il adore Tom Sawyer. Donc, quand je suis tombée dessus, je l'ai pris, quoi. Donc, les aventures de Tom Sawyer. Donc, en fait, il faut savoir qu'il existe d'autres. Il en existe encore 3 autres livres comme ceci. Il existe Le Tour du Monde en 80 jours. Donc, L'île au trésor, 20 000 lieues sous les mers. Les 4 filles du docteur Marsh. Les aventures de Tom Sawyer. Moi, j'en ai pris 2 sur les 5. Donc, la prochaine fois, je pense que je prendrai au moins 2 autres. Les 4 filles du docteur Marsh, c'est des garçons. Je doute fort que ça leur plaise. Mais Le Tour du Monde à 80 jours et 20 000 lieues sous les mers, je pense que je leur prendrai le prochain coup. Wally Wallou, ben voilà, mon haul action se termine là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une très 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 belle journée. Passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis bon courage pour ceux et celles qui continuent à travailler. Je vous fais plein plein de gros bisous et à une prochaine vidéo. Ciao ciao.